Le père Teilhard a un langage mystique, bien sûr, mais lyrique. La phrase teilhardienne chante. Il y a encore des textes que je relis, quelquefois pour méditer, mais tout simplement pour le bonheur de les sentir se dérouler en moi ou de les entendre chanter. Ce soir, plus que jamais dans ce cadre merveilleusement calme et excitant, où à l'abri des violentes émotions et de la tension excessive des tranchées, je sens se raviver dans leur milieu natif les impressions déposées en moi par 3 années de guerre. Le front m'ensorcelle. Mais quelles sont donc enfin les propriétés de cette ligne fascinante et mortelle? Par quelle secrète vertu tient-elle à mon être le plus vivant pour l'attirer ainsi à elle invinciblement? Le premier sentiment classé auquel je puisse comparer mon émotion présente, c'est la passion de l'inconnu et du nouveau. Bien sûr, je l'ai découvert de manière livresque, en lisant sa pensée, ses écrits. Mais il y a derrière tout de suite un homme habité. Je crois que c'est le fait qu'il portait quelque chose qui était plus fort, plus profond que lui. Et il avait une conviction. C'est vraiment un homme de conviction, c'est quelqu'un qui a un message à délivrer, c'est quelqu'un qui a fait tout un chemin et c'est quelqu'un qui est ouvert au monde. Il a tracé un chemin personnel de scientifique, de croyants, un chemin magnifique qui vaut le coup d'être exploré et qui apporte beaucoup aussi bien dans une vision globale de la destinée du monde et de l'humanité que à titre personnel, puisqu'il nous dit quelque part que le moindre d'entre nous, quelles que soient ses qualifications, quels que soient ses diplômes, quel que soit son métier, ou même s'il n'en a pas, malheureusement, le moindre d'entre nous est un maillon indispensable dans l'évolution. C'est très fort. Grand voyageur, prêtre, savant, penseur, Pierre Teilhard de Chardin va depuis tout jeune percevoir l'univers dans son unité. Une intuition fondamentale qu'il va consolider, construire, réfléchir tout au long de sa vie. Ordonné prêtre le 24 août 1911, éminent géologue et paléontologue reconnu à travers le monde scientifique international, il va concilier la science et la foi. Je vous assure qu'on fait de vraies méditations à regarder ces vestiges d'une humanité antérieure à toute civilisation connue, écrivait-il à ses parents au retour d'une mission en Espagne. Cette méditation profonde va l'emporter, à travers la guerre de 14, à regarder autrement l'indicible horreur des combats. Infirmier et brancardier, refusant le grade d'aumônier qu'on lui proposait, il veut demeurer auprès des hommes. Dans le drame et la souffrance, va éclore sa pensée. Il commence un peu à travailler et à ressentir ses intuitions, mais elles vont éclater, être en genèse, comme dit sa cousine Marguerite, pendant la guerre. Et ce qui est vrai, que ce qui est saisissant, c'est que plus c'est difficile, plus ça cogne, si je puis dire, plus les marmites tombent, et plus il va écrire, il va travailler, il va travailler sa pensée, chercher. C'est un chercheur. De toute façon, c'est un esprit qui est continuellement en recherche, non seulement pour la science, mais aussi pour la foi. Il faut quand même imaginer que cet homme, au lieu d'être aumônier, au lieu d'être à l'arrière, il est brancardier. Et un jour d'ailleurs, on lui propose de devenir aumônier capitaine. Il refuse. C'est-à-dire qu'il est devant, c'est-à-dire qu'il va au contact, face au nid de mitrailleuses. Hein. Il va chercher ses camarades blessés. Il perdra son frère Gonzague en novembre 1914. Et puis il y aura son frère Olivier qui sera mortellement blessé. Et il est à peu près sûr qu'il ne reviendra pas vivant. Et alors, ce qui est extraordinaire avec cet homme, c'est qu'il profite en quelque sorte des moments d'accalmie pour écrire sur des bouts de papier, des morceaux de papier. Et là, il a une vision extrêmement forte. Et bien entendu, celle qui va jouer un grand rôle, qui va recueillir tout ce qui composera ensuite ses écrits du temps de guerre, et bien c'est Marguerite Teilhard-Chambon, sa cousine, qui deviendra Claude Aragonès, une romancière. Il est au cœur du chaos, il est au cœur de la barbarie, et il trouve le moyen de voir beaucoup plus loin.
Il a des mots sur effectivement la guerre, sur la souffrance, sur la peur. Et en même temps, il dit très curieusement, mais j'étais attaché à cette guerre. Et après, il aura effectivement ce réflexe d'une espèce de nostalgie du front, ce qui est assez paradoxal. Ce qui est intéressant, c'est la manière qu'il a eue de pouvoir se plonger dans l'horreur de la guerre et en même temps d'y trouver quelque part une provocation pour écrire. Donc il s'installait sur une cantine renversée, dans des ruines de fermes à moitié brûlées, enfin dans un campement improbable. Et dès qu'il avait un moment, alors pas complètement à l'arrière, pas complètement au front, donc dans une sorte de léger recul, il s'installait pour écrire. Et là, il a jeté en quelque sorte ses premiers textes, comme La vie cosmique, tout un programme. Et il va en quelque sorte établir les assises de sa réflexion, qui sont des assises qui proposent un monde en convergence vers l'union. Alors, on est au plein moment de la guerre, l'Europe se déchire, hein, on se bat les uns contre les autres, et lui, il dit, le monde est en train d'accoucher de lui-même. Et c'est l'union qui va sortir plus forte de l'horreur. Au front, la puissance déchaînée de la matière, la grandeur spirituelle du conflit entamé, la domination triomphante des énergies morales dégagées, unissent leurs appels à l'orgueil noble et au besoin de vivre. Et elles versent au cœur une mixture passionnée. Là-haut, une conviction victorieuse s'établit en maîtresse qu'on peut y aller, sur le double plan de l'action terrestre et céleste, de toutes ses forces et de toute son âme. Tous les ressorts de l'être peuvent se tendre. Toutes les hardiesses sont de mise. Pour une fois, la tâche humaine se découvre plus grande que nos désirs. Je le déclare. Dans cette détente, poussée jusqu'à l'exhaustion de soi-même, gît la liberté suprême, la libération de tout ce qui sommeille en nous, d'aspirations ignorées et de puissances anxieuses que nous ne pouvons souvent développer, faute de matière et d'espace, et qu'on doit être si las de mourir sans avoir délivré. Au milieu de tous ces écrits, il y en a un qui a posé des difficultés, qui s'appelle la nostalgie du front. La nostalgie du front pour Teilhard, c'est l'idée à la fois qu'avec les camarades, ses camarades soldats, mais même au-delà et malgré les combats avec ceux d'en face, se construit une humanité qui, bien sûr, au moment du combat, a évidemment se détruit. Bon, c'est clair. Mais en même temps, fait advenir une humanité plus grande. Alors, c'est à la limite choquant. On est bien d'accord. Hein, à la limite, le père Madeleine le sait bien parce que c'est lui qui avait voulu rééditer il n'y a pas très longtemps ce texte à nouveau dans les études et il a eu à nouveau des lettres assez musclées. Les gens comprennent mal. Mais il y a nostalgie non pas du front en tant que front, mais de ce qu'il y avait la perception même confuse que tous ces hommes participaient à quelque chose de plus grand, y compris aux côtés de l'horreur absolue et du mal absolu. Mais que plus fort que le mal, il y avait quelque chose que ces hommes portaient et qui les portait et qui les faisait advenir vers autre chose. Que s'est-il passé dans le cœur de cet homme qui, comme brancardier, a voulu prendre soin de ceux qui en souffraient directement de cette guerre ? Et en même temps, c'est un creuset pour lui pour voir cette grande évolution de la vie plus forte que la mort, justement. Hein. Alors, on peut voir cela de manière très paradoxale. Certains ont même cru que pour lui, la souffrance ne comptait pas. Je crois pas du tout, du tout. C'est tout le contraire. Par contre, si nous-mêmes, nous avons pu faire l'expérience que la souffrance est quelque chose à la fois de terrible, mais qu'elle peut être traversée,
Elle peut être traversée non pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, mais parce qu'il y a un souffle de vie à l'intérieur même de la souffrance, non pas qui justifie la souffrance, mais qui justement permet de la traverser. Et je pense que c'est cette traversée, c'est une intuition personnelle, hein, qu'il a faite et qui lui a donné cette perspective que dans toute croissance, il y a de la souffrance. Il y a quelque chose de très fort du sens de la souffrance, c'est toujours très délicat. Hein. On ne peut pas trouver le sens de la souffrance à la place des autres. Et ce n'est pas une définition, c'est une épreuve. Et on voit des gens, mais pas tout le monde d'ailleurs, on voit des gens qui, au cœur même d'épreuves incommensurables, inhumaines, injustes au possible, découvrent non pas du sens à leur souffrance en tant que telle, mais découvrent à partir de cette souffrance un sens à leur vie. Les grands hommes comme Nelson Mandela et tant d'autres nous montrent ces exemples en traversant des souffrances injustes énormes. Et dans la Bible, c'est le livre de Job. Et dans la Bible, c'est aussi l'expérience des saints Paul et autres auxquels Teilhard se réfère. Saint Paul qui est capable de dire « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas ». Donc, on ne peut pas dire que Teilhard écarte le mal, mais au cœur même de cette condition humaine, avec l'énigme du mal et de la souffrance, que personne n'a jamais résolue et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas résoudre, il y voit aussi un feu intérieur qui permet de traverser cette souffrance, d'autant plus qu'on est en union, en unité, en croissance partagée. Il me semble qu'on pourrait montrer que le front n'est pas seulement la ligne de feu, la surface de corrosion des peuples qui s'attaquent, mais aussi, en quelque façon, le front de la vague qui porte le monde humain vers ses destinées nouvelles. Quand on regarde dans la nuit, à la lumière des fusées, après quelques journées plus agitées, il semble qu'on se trouve à l'extrême limite de ce qui est réalisé et de ce qui tend à se faire, écrit-il à sa cousine Marguerite Teilhard-Chambon. À ceux dont la vie est banale et terne, je découvrirai les horizons illimités de l'effort humble et ignoré, qui peut, si l'intention est pure, ajouter à la perfection du Verbe incarné un élément de plus. Élément senti par le Christ et associé à son immortalité. Chaque partie du cosmos, quelle qu'elle soit, a une influence sur les autres. Nous avons tous une influence les uns sur les autres, et le cosmos a une influence sur nous comme nous avons une influence sur le cosmos. Et Teilhard, il avait déjà eu l'intuition dès ses écrits de guerre, même avant les théories du Big Bang, de cette unité de l'ensemble du cosmos, de l'humanité, de cette union créatrice qui pour lui est à la base du développement de l'ensemble du cosmos. Il voit du dedans, ça c'est la clé. Il voit du dedans et non pas du dehors simplement. Il voit du dedans. Et on ne peut pas comprendre Teilhard si on ne comprend pas que c'est en contemplant l'évolution à travers le scientifique, le paléontologue, à travers le croyant, à travers l'homme de relation, à travers ces relations féminines aussi très importantes qui lui permettent de voir de l'intérieur. Sinon, on ne peut pas comprendre sa manière de voir le souffle créateur à l'intérieur de l'évolution, y compris de la matière. L'évolution pour Teilhard, il y a des formules qui portent très très loin. Et il dit, l'évolution, c'est la main de Dieu qui ramène à Dieu. Donc l'évolution, elle fait partie effectivement de la création. Ah, donc ne jamais oublier qu'effectivement que tout s'est fait petit à petit, avec du tâtonnement, avec des erreurs.
Dieu fait que les choses se fassent pour lui. Ensuite, tout le reste, c'est une question de cause seconde. Mais au départ, c'est Dieu. Mais Dieu est créateur, il n'est pas fabricant, là encore. Nous ne sommes pas les objets de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous donne une autonomie à nous d'en faire quelque chose, si l'on veut. Et Théa nous dit, allez au monde, vous êtes balayeur, vous êtes jardinier, vous êtes président-directeur général, eh bien, faites bouger ce monde. Allez jusqu'au bout de vos efforts. Vous aurez des échecs, vous n'allez pas y parvenir. Eh bien, tant pis. Mais bougez, allez, allez à l'univers. C'est ça que je trouve très beau chez Pierre Teilhard, c'est que cet effort de l'homme vient du fin fond de la création. C'est enraciné dans notre donnée naturelle de façon très profonde, mais ça traverse notre cœur, notre intimité, parce qu'on sent qu'il y a un appel à se donner et à s'unir les uns les autres dans un amour toujours plus grand. Et cette convergence dans l'amour, et c'est pour moi le fond que je retiens de mon oncle, c'est que plus nous sommes unis dans l'amour, plus nous devenons nous-mêmes. C'est ça qui est magnifique, l'union différencie. Il disait toujours l'union différencie. Et donc, aujourd'hui, on a tellement de questions sur le communautarisme, on respecte l'identité de chacun, mais nous voyons bien que plus nous sommes unis, plus nous devenons ce que nous sommes. Et donc, ce travail, pour moi, c'est un travail de bénédiction que d'unir ce travail de convergence des personnes, d'amitié entre les personnes, où chacun devient plus lui-même, parce qu'il s'est donné lui-même. Alors, pour moi, ça me parle beaucoup. Et je l'ai vraiment reçu de notre oncle Pierre. Et je vois bien que toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'écologie, le sens de l'effort humain, la place de l'homme dans la nature, l'air de rien, il n'y a quand même que l'homme qui fait ce travail d'unification dans l'amitié, dont tout le monde profite. On voit bien à quel point l'écologie aujourd'hui suppose une décision morale de l'homme de respecter le cosmos d'où il vient, l'univers d'où il vient, la nature qu'il a produit comme un berceau. Mais la nature est le berceau de l'amour. Il y a les hommes qui récupèrent ces prémices de l'amour pour qu'ils s'actualisent dans leur vie. Je pense que oui, moi, pour moi, Pierre a beaucoup de sens pour nous. Pour Teilhard, l'énergie de l'amour est fondamentale. Et pour lui, c'est celle qui est présente même dans les premières particules. Donc de ce fait-là, mais évidemment, c'est normal qu'on la retrouve dans la complexification de plus en plus grande de ce qui est organisé jusqu'à nous, avec comme à chaque fois, à chaque étape, un pas franchi, hein, le pas de la vie, le pas de la conscience et le pas de l'amour. Donc pour Teilhard, nous sommes sur ce pas de l'amour, mais pour lui, ce pas de l'amour, il n'est pas encore franchi. Hein. Il dit que la température psychique pour atteindre ce pas de l'amour n'est pas encore atteint, mais nous sommes dans le pas de la co-réflexion, c'est-à-dire que la vision de l'homme se rapproche sur Terre, dans cette fourmilière humaine, et crée ce qu'il appelle lui-même la noosphère. Depuis le XVIe siècle, l'homme avait successivement compris que le cosmos où il se trouve placé était en mouvement, et que ce mouvement consistait surtout en un arrangement orienté vers la plus-vie. Maintenant seulement, par un troisième pas, le plus périlleux de tous, il commence à s'apercevoir que la cosmogénèse, ainsi définie, non seulement se poursuit, mais tend à se boucler, bien plus vite qu'on eût pensé, au-dessus de sa tête. Il va inventer des mots pour arriver à trouver ce qui rend le mieux compte de son expérience. Et toute sa vie, il va essayer de trouver les mots qui arrivent à convaincre, à porter, parce qu'il est possédé par cette certitude. C'est un chercheur. Et donc, quand il forge un mot, on se dit « encore un ». Bon. Mais parce qu'il n'a pas encore, véritablement. Il cherche. Alors,
provisoirement, il trouve un mot. Bon, l'ennui, c'est que quelquefois, il n'a pas le temps de revenir sur son texte et que le mot est resté tel qu'il est. Mais c'est toujours un chercheur qui, à travers ces mots, parfois baroques, hein, essaye d'approcher le réel au plus près, propose un mot presque en disant à son lecteur « Bon, alors, vous avez mieux. Bon, voilà, proposez-moi mieux. Si vous avez mieux, moi, je prends. » Voilà. Je crois que c'est tout à fait intéressant, cet esprit de recherche, qui est une recherche en dialogue permanent. Alors, on le sait parce que il a toujours soumis tous ses textes, qui, on le sait, ne circulaient que très peu, à tous ses amis. De toutes sortes, théologiens, philosophes, amis, tout simplement, hein, autour de lui, et qui leur demandaient un retour. C'est-à-dire que les amis, ils étaient priés de pouvoir réagir, pas seulement de lire béatement en disant « Oui, 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 c'est très bien, mon père. » Non, non, c'est comment vous réagissez? Est-ce que ce paragraphe-là, qu'est-ce que je dois faire? Et on sait qu'avec le père de Lubac, avec Monseigneur de Solages, il y a eu vraiment un dialogue conceptuel extrêmement intéressant. Alors ça, c'est passionnant aussi. Parce que, bon, pour quelqu'un qui s'intéresse aux concepts, à la philosophie, à la théologie, c'est-à-dire la philosophie en train de se faire, c'est comme le film en train de se faire, comme disait Godard autrefois. Bon, ben, c'est ça, c'est le concept en train de se construire. Et Teilhard, c'est un peu ça. Et on l'oublie trop souvent. Hein. On prend pour quelque chose de terminé, alors que c'est quelque chose qui est une proposition. Aujourd'hui, nous pouvons lire Teilhard en lisant l'ensemble de ses écrits. Mais n'oubliez pas que de son vivant, ce n'était pas possible, puisqu'il a écrit des petits morceaux et que ça se passait plutôt en cachette, hein, puisqu'il n'était interdit de publication. Or, Teilhard de Chardin, il me semble qu'il faut avoir tout lu, si je puis dire, pour entrer vraiment dans sa pensée profonde, qui s'est élaborée d'ailleurs, comme c'est normal, comme pour tout chercheur, au fur et à mesure, même s'il a eu des intuitions géniales dès le début. Hein. Et donc, les premiers morceaux, si vous le lisez par morceaux, en effet, c'est très incomplet. En effet, ça peut donner lieu à des interprétations qui ont fait peur parce qu'elles auraient pu être injustes. Mais encore aujourd'hui, Teilhard de Chardin est utilisé par des courants du New Age ou même par des courants transhumanistes qui s'appuient sur une partie de ce qu'il a écrit, évidemment en oubliant en général que le centre de chez Teilhard, c'est le Christ, mais qui s'appuie sur ce qu'il a écrit pour donner des choses qui, évidemment, vont à 180 degrés d'une vision chrétienne. Comme c'est une pensée qui est très complexe et qui part de l'alpha pour remonter au oméga, il est extrêmement tentant d'en prendre un morceau. Et donc on peut le récupérer en saucissonnant la pensée et en ne prenant que le milieu et en la sortant de son contexte chrétien. Ça marche, on a l'évolution, on monte vers la conscience, ça marche. Mais chez Pierre Teilhard, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas à l'homme. Aussi loin que je remonte dans mon enfance, rien ne m'apparaît ni de plus caractéristique ni de plus familier dans son comportement intérieur que le goût ou besoin irrésistible de quelque unique suffisant et unique nécessaire pour être tout à fait à l'aise, pour être complètement heureux, savoir que quelque chose d'essentiel existe, dont tout le reste n'est qu'un accessoire ou bien un ornement. Le savoir et jouir interminablement de la conscience de cette existence. L'Auvergne, où Teilhard passe toute son enfance, cette Auvergne des volcans, aussi majestueux qu'énigmatique, demeure l'ancrage le plus profond de sa pensée. À l'âge de 6 ans, il s'était même échappé avec sa petite sœur pour aller voir l'intérieur d'un volcan. Ses parents les avaient alors rattrapés de justesse. Quatrième enfant d'une grande famille, qui sera marquée par des drames, mais surtout par un amour profond de l'autre, le jeune Pierre se construit. On ne peut pas comprendre Pierre Teilhard si on n'a pas vu l'Auvergne, si on n'a pas vu sa géologie, si on n'a pas vu la variété de ses sols. Ça a éveillé, ça a formé son âme, ça a formé son éducation et ça a formé son âme. C'est vraiment une recherche de l'histoire, de comprendre quel est le point de contact, comment est-ce que ce Pluton de granit est monté, comment est-ce qu'il a transformé autour, comprendre l'histoire. Comprendre l'histoire de la Terre et comprendre ce qui s'est passé à ce lieu-là. Ça nous rappelle des temps qu'on ne connaît pas du tout, parce que vous voyez ces temps à 2 milliards d'années, il y avait la mer, pas la mer, il y a eu des... La nature a une puissance incroyable. Ces surrections de montagnes, la nature a une puissance incroyable. Thank you.
Ce qui l'intéressait, c'était vraiment les grandes périodes de temps et l'agrégation progressive quand il parle de cette loi de complexification conscience. Pour moi, c'est formidable parce qu'il voit à la fois les choses diverger dans l'évolution et en même temps converger dans la conscience. Voilà. Et pour lui, on converge dans le Christ. Ça, c'est l'Allier. Alors, en général, quand on vient ici, c'est pour regarder les cailloux. Alors, on regarde, et puis, ben, si on trouve un galet qui nous touche, eh bien, on le ramasse. Pour être sûr de ce qu'on voit, on donne un grand coup de langue. Ce grand coup de langue, c'est papa qui m'a appris à le faire. Et en fait, c'est notre oncle Pierre qui lui a appris à faire ça. Parce que quand Pierre Teilhard venait ici, plutôt à l'automne, parce qu'il fait très chaud, comme vous le voyez, pendant l'été, eh bien, ils allaient voir les cailloux. Et notre oncle, alors tout le monde disait, mais c'est quoi ce caillou? Il disait, ben, je sais pas, regarde. Alors on regardait, on donnait le coup de langue, et donc là on voit que c'est un beau quartz. Voilà. Après ça, on essaye de les casser. Ah ben décidément. Hop. Alors évidemment, si vous le cassez pas, vous ne voyez que ça. Si vous le mouillez, vous voyez à peine. Mais quand vous l'ouvrez, vous découvrez des merveilles. Voilà, la cassure nous révèle bien ce qu'il en est. Il y a toujours des braises qui brûlent. Donc ça, cette symbolique des braises qui brûlent, du feu à l'intérieur de la terre, de l'esprit dans la matière, ça, c'est vraiment le fond de la pensée de notre oncle Pierre. Et je pense qu'il l'a vraiment découverte, parce que son propre père, Emmanuel, était un grand naturaliste, il aimait beaucoup cela, il était aussi chartiste, il aimait l'histoire, mais surtout, il l'emmenait, voilà, visite, casser des cailloux, regarder les animaux, on passait sa vie dans les lettres familiale, des cartons entiers. Les lettres sont toujours très affectueuses entre tous les enfants et leurs parents. Et il y a toujours des dessins, des papillons, des fleurs, des animaux. Et pendant la guerre, dans les tranchées, c'était pareil. Donc notre oncle observait que dans les tranchées, tiens, aujourd'hui, il y a des grillons. Là, il y a telle fleur qui s'est mise à apparaître. Il faut quand même, pour raconter ça, voyez-vous, en plein milieu de la guerre, c'est qu'ils avaient vraiment un regard accoutumé à voir ce qu'il en est à l'intérieur de la matière. En fait, les choses parlent. Les choses parlent, mais il n'y a que nous. Il n'y a que nous, personne humaine, il n'y a que l'homme qui entend le langage des choses, le langage de la matière. Et nous le recueillons quand nous le désignons en disant « c'est beau ». Et je pense qu'on est en communion profonde avec le langage des choses quand nous disons « c'est beau » ou « c'est bon ». Voilà. Et ce sens de la beauté et de la beauté des choses, du monde, c'est pour moi le langage très profondément inscrit dans la matière. Voilà, c'est beau. C'est vrai que quand on regarde dans nos manuels de quand on regarde dans nos manuels de cosmographie ou de minéralogie ou sur les atomes et tout ça, les nébuleuses et tout ça, c'est formidable. Mais c'est nous qui disons c'est beau et qui voyons dans le tourbillon des choses et des quarks et des photons et tout ça l'émergence d'un esprit qui nous traverse et qui, de façon réflexive, nous permet de dire c'est beau. Le soir, quand on voit les étoiles, on est plongé dans des dimensions temporelles tellement folles, enfin qu'on n'est même pas capable de les penser, en fait. Et donc, Teilhard nous dit, mais n'ayez pas peur, c'est l'univers, c'est cet univers-là qui est le nôtre. Hein? Il est tellement plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Alors, à la fois, nous ne sommes pas grand-chose, comme Pascal. L'homme est un rien. Mais il est plus grand que l'univers, puisqu'il le comprend. Nous sommes appelés à être traversés par l'infini. Voilà. Donc, ouvrez-vous. Passionnément,
Avec la conviction profonde de devoir continuer sur cette crête reliant l'éclairage scientifique sur l'évolution avec la foi chrétienne, Teilhard poursuit ses recherches géologiques et paléontologiques en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, et continue d'écrire. Je veux me plonger dans les choses et me mêlant à elles, en dégager par la possession, jusqu'à la dernière parcelle, ce qu'elles contiennent de vie éternelle, afin que rien ne se perde, avait-il prononcé lors de ses vœux solennels. Pierre ne dérogera jamais de cette recherche contemplative, exigeante, attentive, fondamentale. Reconnu comme une éminence dans le domaine scientifique, les plus grands noms, comme Marcelin Boule, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, lui confient des missions. Teilhard voyage, observe, analyse. Ses écrits scientifiques passionnent, mais sa pensée théologique dérange de plus en plus. Il prend la matière dès l'origine. L'évolution aussi, il faut reconnaître que l'Église a eu du mal avec l'évolution, a eu du mal à percevoir l'évolution. Donc pour lui, pour Pierre Teilhard, c'est devenu une évidence, cette évolution. Il a lu Bergson, il a lu Newman. Il faut bien voir aussi que ses supérieurs l'ont laissé rentrer en 1912 au Muséum d'histoire naturelle, qui était une école évolutionniste. Donc les jésuites ont quand même laissé rentrer Pierre Teilhard dans une école évolutionniste au Muséum d'histoire naturelle. C'était quand même une belle ouverture d'esprit chez les jésuites. Il a vu cette évolution et il s'est dit, mais comment tout ça va s'organiser avec le Christ, enfin avec ma vision chrétienne. Le monde se crée encore, et en lui, c'est le Christ qui s'achève. Lorsque j'eus entendu et compris cette parole, je regardais et je m'aperçus comme dans une extase, que j'étais plongé en Dieu par toute la nature. Le contexte historique dans lequel Teilhard poursuivait sa quête de sens était particulièrement agité. La loi de séparation entre l'Église et l'État était passée depuis 1905, et le pape Pie X condamnait le modernisme. Dans un esprit d'ouverture et d'amour, Teilhard cherchait, suggérait, offrait ce qu'il ressentait dans la plus grande pureté de son âme. On était à une époque où la science faisait peur, à une époque où le scientisme était encore très fort, c'est-à-dire qu'on voyait une forme de prétention de certains scientifiques à ce que la science remplace la religion. La religion, c'était ce dont on avait besoin dans l'enfance de l'humanité, mais maintenant que l'humanité devenait adulte, on n'en avait plus besoin parce qu'on avait la science qui allait tout démontrer. Et dans cette opposition, parfois très radicale, parfois très injuste aussi d'ailleurs, mêlée d'anticléricalisme fort, eh bien, voilà, on est dans un moment de crainte, de repli, de chacun pour soi, à la limite d'armistice entre science et religion. Et on a un Teilhard qui tente une synthèse au pas à pas, et cette synthèse va faire peur à certains. Renvoyé en Chine pour un temps qu'il ne connaît pas encore, Teilhard accepte sans rien protester, écrivant juste à son ami le père Valencin ces quelques mots. « Cher ami, aidez-moi un peu. » J'ai fait bonne figure, mais intérieurement, c'est quelque chose qui ressemble à l'agonie ou à la tempête. Là-bas, pourtant, il collabore avec les équipes chinoises, retrouve des amis, rencontre de nouvelles personnes et continue ses recherches enthousiasmantes. Les expériences seront nombreuses, quelquefois très violentes et douloureuses, dans une Chine livrée aux révoltes et au banditisme. Participant à l'incroyable aventure de la croisière jaune Art Citroën ou se déplaçant à dos de mulet, Pierre Teilhard voyage à travers les déserts et les montagnes. Il y a une chose remarquable qui montre son intelligence, sa bonté, sa proximité de la Chine. Quand il est arrivé en Chine, il s'est associé à des savants chinois. C'est pas très loin, hein. Nous sommes en 1923. Je me rappelle, dans ce voyage, on a encore retrouvé des gens qui avaient connu, tout jeune, le père Teilhard. Et lui, il ne s'est pas présenté comme un conquérant qui va faire un beau film sur la Chine ou sur son expédition à lui. Il s'est mis au travail et il a aidé un Chinois quand l'homme de Pékin a commencé à être découvert. Il aurait pu se parer des réussites. Il a aidé un confrère chinois, des confrères américains qui étaient là.
et le lancement de cet homme, cet ossuaire du premier homme, c'est quelque chose de très très important. L'homme de Pékin, ce synanthrope, était un homo erectus qui pratiquait la taille des pierres et connaissait l'usage du feu. Cette découverte bouleverse Teilhard infiniment. Mais qu'est-ce donc au juste que le phénomène humain, s'interroge-t-il? Comment se situe et que vient faire, dans le développement expérimental du monde, l'extraordinaire pouvoir de penser? Pour trouver ce crâne de nos origines, l'équipe a dû creuser, et creuser encore, durant 3 années sans relâche. Pour moi, Teilhard, c'est d'abord un aventurier de l'esprit. Un homme aux semelles de vent. On sait qu'il a été obligé à un certain exil de la part de ses supérieurs, en partie pour le protéger, en partie peut-être pour le surveiller. Je crois que les deux thèses sont également possibles et se rejoignent. Mais c'est quelqu'un qui prend ce pari de se dire « Là où on m'envoie, il y a quelque chose à vivre et le Christ m'attend. Bon. » Et là où on l'envoie, c'est tout à fait en dehors des champs habituels de l'Église. Hein, parce que l'Asie, la Chine, la géologie, la paléontologie, ce sont des grands champs en friche qu'il va contribuer à faire connaître, à mettre finalement en ordre, si on peut dire, scientifique, à proposer comme objet de science. Et alors la grande aussi idée de Teilhard, c'est qu'au fond, il va en faire des chances pour lui et pour ses lecteurs ensuite, c'est-à-dire permettre à ce qu'on puisse rencontrer une humanité qui se trouve bien sûr à l'extérieur, au front, au périphérique, comme dit le pape François. Donc, dans cette équipe internationale qui va se retrouver en Chine, il y a beaucoup de non-croyants, il y a beaucoup d'agnostiques, il y a des gens dans des situations matrimoniales pas possibles, du point de vue de l'Église, je veux dire, bien entendu, hein, qui, en principe, auraient dû affoler un ecclésiastique frileux. C'est pas du tout son cas. Au contraire, il va directement au cœur des gens. Et il leur dit, au fond, dites-moi, expliquez-moi qui vous êtes. Qu'ils viennent donc à moi, le souvenir et la mystique présence de ceux que la lumière éveille pour une nouvelle journée. Un à un, Seigneur, je les vois et les aime, ceux que vous m'avez donnés comme soutien et comme charme naturel de mon existence. Un à un aussi, je les compte, les membres de cette autre et si chère famille qu'ont rassemblés peu à peu autour de moi, à partir des éléments les plus disparates, les affinités du cœur, de la recherche scientifique et de la pensée. Plus confusément, mais tous sans exception, je les évoque, ceux dont la troupe anonyme forme la masse innombrable des vivants, ceux qui m'entourent et me supportent sans que je les connaisse, ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, ceux-là surtout, qui dans la vérité ou à travers l'erreur, à leur bureau, à leur laboratoire ou à l'usine, croient au progrès des choses et poursuivront passionnément, aujourd'hui, la lumière. Teilhard, qui souffre de ne pas être édité, continue cependant à écrire, à corriger, à reprendre inlassablement, passionnément chacun de ses textes. De l'apparition toute primitive de la matière jusqu'à la pensée humaine la plus complexe, tout semble orienté vers un point oméga. Ainsi, l'homme ne saurait se voir complètement en dehors de l'humanité, explique-t-il, ni l'humanité en dehors de la vie, ni la vie en dehors de l'univers. L'homme et l'univers sont en perpétuelle évolution, et le phénomène humain a un sens. Il n'allait pas bien, il avait déjà eu un infarctus en 47, une pleurésie. Il avait déjà eu des problèmes cardiaques d'ailleurs avant. Hein. Et donc il allait repartir en Afrique du Sud sur les traces des hommes. Ses amis jésuites se sont dit, il peut mourir d'un moment à l'autre, il a déjà failli partir en 47. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, ils ont demandé à Mademoiselle Mortier, qui avait connu Pierre Teilhard avant lors d'une conférence, et qui était très très portée par cette pensée, si elle accepterait d'être sa légataire. Ils lui ont donc fait signer, en 51, juste avant de partir en Afrique du Sud, il a signé un testament en faveur de Mademoiselle Mortier, ce qui permettait en quelque sorte de mettre ses œuvres dans le domaine public.
et les sortir, si je puis dire, juridiquement des jésuites. Ça, c'est le coin Chine, hein, c'est tout le coin Chine et le coin science. Alors ici, c'est des petites maquettes de la croisière jaune. Ça, ce sont les ouvrages classés de manière chronologique. Il est intéressant de voir qu'ici, en 62, 63, 64, il y a énormément de choses, et moins de choses là, et puis ça reprend. Depuis qu'il existe, l'homme est offert en spectacle à lui-même. En fait, depuis des dizaines de siècles, il ne regarde que lui. Et pourtant, c'est à peine s'il commence à prendre une vue scientifique de sa signification dans la physique du monde. Ne nous étonnons pas de cette lenteur dans l'éveil. Rien n'est aussi difficile à apercevoir souvent que ce qui devait nous crever les yeux. Ne faut-il pas une éducation à l'enfant pour séparer les images qui assiègent sa rétine nouvellement ouverte? À l'homme, pour découvrir l'homme jusqu'au bout, toute une série de sens était nécessaire, dont l'acquisition graduelle, nous aurons à le dire, couvre et scande l'histoire même des luttes de l'esprit. C'était un homme qui a beaucoup souffert, en fait, très sensible, et qui a beaucoup souffert, très angoissé de ne pas être compris. Pierre Leroy, qui est un jésuite qui a vécu avec lui à Pékin, témoigne vraiment beaucoup aussi des angoisses. Il a vu Pierre Teilhard pleurer, il a vu... Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, du tout, son existence. Vivre comme ça loin de son pays, vivre loin des siens, ne pas avoir de nouvelles. Gabriel, dont il était très proche, est mort en 1941, il l'a appris avec un an de retard. Il l'a appris en 1942, ça nous paraît inimaginable aujourd'hui, mais il l'a appris avec un an de retard. C'est difficile. Il a terriblement souffert. Terriblement souffert de toutes les autorités, et à la fin, quand il va épuiser, il est épuisé, il vient de faire une crise cardiaque, on est en 48, il arrive à Rome, il est sans illusion, mais il se dit après tout, peut-être que quand même je vais obtenir enfin de pouvoir publier, bon, qu'il recorrige, enfin, il y a eu plusieurs centaines de corrections en quelques mois, bon, et que finalement ce sera un non. Bon, c'est vrai, on insiste là-dessus, mais on n'insiste pas assez sur le fait que c'est pour lui l'occasion, dans le drame, dans, quelquefois même dans les moments dépressifs, de réitérer sa fidélité à l'Église. Hein, ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. Et contre toutes les... Parce qu'il y a eu bien sûr des collègues, même des amis très proches, qui disent mais quittez l'ordre, mais quittez l'Église, vous serez tellement plus à l'aise. Il dit non, je n'ai de sens que comme fils de l'Église. Eh bien, oui, je souffre de l'Église, je souffre par l'Église, mais je reste fidèle. Alors ça, c'est quand même une leçon de fidélité qui aujourd'hui est très difficile même à comprendre. On ne comprend pas, on se dit, oh, c'est un peu du masochisme. Non. C'est une espèce de pari, en quelque sorte. Non, je fais le pari que c'est là que l'humanité va. Il reconstitue des sociétés, il veut que l'amour soit au centre, et il veut que ce soit un amour très très profond, très fort, qui circule comme du sang. Et il dit que si on n'arrive pas à le faire circuler comme du sang, enfin c'est ce que je suis en train de lire d'ailleurs en ce moment, les sociétés vont s'effondrer. Plus notre pouvoir s'accroît de manipuler la matière inerte et vivante, plus doit grandir notre soin anxieux de ne fausser ni violenter aucun élément de conscience réfléchi autour de nous. Ce qui veut dire, c'est que finalement, on est dans une ère où tout le monde doit raviver son cœur pour faire circuler cet amour, quels que soient ses voisins, quels que soient ses amis, ce cœur, parce que c'est la seule assurance que les gens vont aller au-delà, dans les profondeurs, c'est la conscience, ça peut descendre très bas, et dans tous les pays. Et donc il y a la conscience dans l'espace et la conscience dans le temps. Il faut aussi que les gens se réconcilient, ou soient réconciliés, c'est pas sûr, soient capables de vivre ensemble pour qu'on puisse continuer. C'est très très fort comme histoire.
faut aussi que les institutions suivent. C'est les deux choses. La conscience de l'homme doit suivre. Les institutions de chaque pays doivent suivre. Donc il faut de la concentration. Il faut de l'obéissance à des collectifs. Et en même temps, il faut que dans ces collectifs, chacun soit très, très personnel, parce que sinon, ça a beau être un très beau collectif, c'est raté. Deux dangers menacent en permanence l'homme, c'est l'ordre et le désordre. Mais la vie est un mouvement de désorganisation, réorganisation permanente. Nos cellules de corps meurent en permanence, mais d'autres naissent. Donc nous ne sommes pas une entité fixe, nous sommes une entité en mouvement. Et tout ce qui est sur la vie est une entité en mouvement. Donc vouloir se bloquer sur un ordre, quel qu'il soit, est suicidaire. Donc le problème du changement, à tous les étages, sur le plan personnel, sur le plan politique, sur le plan organisation des sociétés, est un problème difficile, parce qu'il y a toujours une résistance au changement. Or, on confond toujours, en fait, un peu, on confond la stabilité et la fixité. La fixité, c'est la rigidité. La stabilité, c'est la désorganisation créatrice. C'est ça, en fait. Et nous sommes dans ce mouvement de vie. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, parce que nous sommes en permanence en déséquilibre par une stabilité qui n'est que provisoire pour un nouvel équilibre suivant. Donc ce n'est pas reposant, si j'ose dire, mais la vie est mouvement. Et c'est dans ce sens que Teilhard est visionnaire, parce que c'est justement cette force de vie qui fait que le monde avance. C'est un homme de mouvement. Il a une morale de mouvement. Teilhard, ce n'est pas celui qui reste sur la plage autour du feu. Teilhard, c'est celui qui regarde l'océan. C'est celui qui veut monter sur le bateau. C'est ça, Teilhard. Teilhard, c'est du tangentiel qui permet aux êtres de se rencontrer, de se croiser. Mais c'est du radial au sens du cœur à cœur. Ça, c'est du Teilhard. Et c'est, je pense, aussi pour ça qu'on est séduit non seulement par sa pensée, mais par cet être. Il part du réel, il part du phénomène, il part de l'observation et dans le fond de nous, où nous en sommes aujourd'hui, avec cette notion de mouvement, de dynamique qui nous permet à nous de repartir. Moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans cette pensée, c'est le fait que comme nous sommes en mouvement, nous ne sommes pas arrêtés dans notre péché ou dans nos erreurs ou dans nos défauts. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi quelques qualités, mais enfin quand même. Donc le fait d'être dans ce mouvement nous permet de repartir. Et ça, enfin, moi je trouve que c'est un beau cadeau quand même. C'est un aventurier qui est porteur d'espérance. Il n'y a pas tellement de penseurs, philosophes, théologiens, spirituels, qui sont capables d'asseoir une espérance pour aujourd'hui. Dans les moments où on est quelquefois devant la situation internationale, enfin, complètement écrasé, on dit « pensons quand même au regard de Teilhard ». Donc, son optimisme n'est jamais béat. C'est une espèce de choix. Hein. Il y a un moment, il parle du goût de vivre. C'est d'opposer le goût de vivre à ce désespoir qui nous guette. Pierre Teilhard de Chardin mourra d'une crise cardiaque dans une rue de New York, le 10 avril 1955, jour de Pâques. Considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands géologues, paléontologues et théologiens de notre temps, il laisse une empreinte essentielle dans notre compréhension du monde. Dans notre travail, dans nos relations, dans nos activités diverses et variées, quand est-ce que nous sommes au meilleur de nous-mêmes, si on peut le savoir? C'est en général quand, à l'intérieur de tout cela, on vit des relations fortes qui nous donnent envie d'aller au bout de nous-mêmes.
eh bien, ces relations, c'est une force créatrice. Et Teilhard fait le lien avec le Dieu créateur, avec la théologie de la création. Ça donne une envergure extraordinaire au moindre acte humain, comme aux plus belles évolutions que le scientifique contemple dans l'univers, que l'astronome vérifie, et que l'ensemble des scientifiques, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, examinent.